J'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire. Une histoire que normalement on raconte au coin du feu, justement. Alors cette histoire, elle se passe il y a 12 ans, dans le Yukon, qui est une région du Canada qui se trouve à côté de l'Alaska, donc très au nord. Avec un ami, on explorait une région très éloignée. On avait mis plusieurs jours de marche pour y arriver, hors sentier. Et on était à la recherche d'un ancien volcan. Parce que, normalement, au pied de cet ancien volcan, il y avait de l'obsidienne. Et c'était la matière qu'on cherchait. Puis en même temps, on explorait la région. Ça faisait une semaine qu'on marchait, et donc on campait chaque nuit dans des endroits différents. Et un soir, on arrive au pied du volcan. Et là, il y a une magnifique clairière qui était parfaite, en fait, avec un petit ruisseau. Donc on se pose là et on décide d'y passer quelques jours. Et un soir, alors qu'on avait allumé le feu à peu près comme je viens de le faire, on était donc posé au coin du feu, et on entend du bruit dans la forêt, au loin. Et le bruit se rapproche. Et on, sans se parler, on en arrive à la conclusion, les deux, que c'est pas humain, déjà. Hein. Et ce n'est pas un seul animal, mais plusieurs animaux. Et donc, à l'orée de la lisière, enfin la lisière de la clairière, apparaît dans la pénombre, parce qu'il faisait déjà presque nuit, des formes, des ombres. Et assez vite, on se rend compte qu'en fait, il y a une meute de loups qui est arrivée, qui s'est parquée juste au coin de la clairière. Alors forcément, on ne bouge pas, on attend pour voir ce qui va se passer, sans forcément avoir peur. Parce que les loups, normalement, ne sont pas tellement les ennemis de l'homme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire parfois. Mais simplement curieux de savoir ce qui va se passer. Et en fait, de cette meute dont il n'était pas possible finalement de savoir combien il y avait d'individus dans la meute, on voyait bien qu'il y avait peut-être 5, 6, peut-être 10 animaux. Il y a une petite délégation qui est partie. Deux individus qui sont venus droit vers notre feu. Et là, je me souviens que la première chose qui me soit passée à l'esprit à ce moment-là, c'est « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces récits que j'ai lus depuis enfant où on dit que les animaux ont peur du feu ?» J'ai grandi avec cette information-là et j'y ai cru droit, comme vraiment j'y ai cru toute ma vie. Et là, j'ai deux animaux qui s'en viennent droit contre moi, sans apparemment se soucier du feu. Et donc on était complètement paralysé, pas de peur encore une fois, mais de, je sais pas, paralysé par un événement qui paraît incroyable. Et ces deux loups se sont approchés à quelques mètres. Donc j'étais assis exactement comme là, à côté d'un feu. Et un des deux loups est venu s'asseoir comme au coin de la scène, là, à 3 mètres. Et s'est assis. Et nous a regardé, la tête un peu penchée sur le côté. Pendant que l'autre reniflait nos affaires un peu plus loin, je le précise. Mais voilà, il me reste en tête ce feu qui danse dans les yeux d'un loup, et qui est quelque chose d'unique. C'est une chance inestimable d'avoir pu vivre ça. Quelque chose de vraiment sacré.
dans cet événement-là. Et souvent, quand je suis au coin du feu, 12 ans plus tard, et que je vois des flammes danser, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler ces mêmes flammes dansant dans le regard du loup. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je vous raconte cette histoire parce que pour moi, elle évoque peut-être la chose que le feu représente pour moi qui est le plus fort, c'est la rencontre. Le feu vraiment symbolise pour moi la rencontre. La rencontre à l'autre, l'autre homme, humain, et puis aussi à l'autre non-humain en fait, comme cette histoire le montre. Il y a vraiment une rencontre par ce feu entre improbable, entre deux individus, humains et non-humains. Et c'est la force, voilà, du feu. Je pense que c'est vraiment important de remarquer qu'aujourd'hui encore, le feu a ce symbole pour nous, qui est très fort pour tout le monde. Hein. On met des bougies sur une table pour la rendre plus accueillante. Il y a vraiment quelque chose du feu qui nous, à la fois qui nous donne confiance, qui nous rassure, et puis qui crée la rencontre. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Est-ce que tu crois que l'humanité serait dans cette fuite en avant, serait dans cette course au progrès, si on n'avait pas maîtrisé ce que tu nous as brillamment montré il y a 800 000 ans, c'est ça ? C'est une bonne question. L'homme sans le feu. Alors, peut-être juste pour recontextualiser ça, des quelques petits éléments, des quelques faits qu'on connaît en préhistoire, c'est que le feu arrive à un moment de l'humanité où, alors l'humain c'est pas Homo sapiens, dans nos critères à nous hein, de lecture du passé, on parle d'Homo erectus, mais c'est quand même un homme. Et c'est un homme qui maîtrise déjà la chasse, qui a en fait déjà passablement voyagé partout sur Terre, qui était se mettre dans des endroits où il fait très froid, qui donc consomme de la viande, des légumes. Enfin, on a tout un tas de savoirs qui sont déjà en place. C'est intéressant de voir que le feu n'est pas encore là, mais que les humains ne sont pas moins humains, en tout cas lorsqu'on observe les traces qu'ils nous ont laissées. Mais par contre, on n'a pas de représentation symbolique pour ces périodes-là. Alors peut-être qu'on les trouvera un jour, mais on pourrait éventuellement glisser vers une conclusion qui est que le feu a permis finalement de passer du temps au coin du feu, très précisément. Ouais. Et donc, dans la nuit, de pouvoir imaginer des choses, parler du monde invisible. Cette révolution cognitive, on consacrait des groupes et à partager des croyances. Voilà, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que le feu nous invite évidemment à créer des contes, à imaginer nos mythes fondateurs, à dessiner sur des parois, à imaginer par des jeux d'ombre tout un monde imperceptible normalement. Donc l'imaginaire humain en fait, quelque part. Quand tu n'es pas dans le Yukon, quand tu n'es pas dans la forêt, comment tu fais pour trouver ce foyer qui te permet d'arriver à une temporalité différente, de t'élever dans ce monde de rêve? Comme tu disais hier, on est un peu suspendu dans un temps où l'histoire s'arrête finalement. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Dans un monde qui court, et moi en premier hein, forcément, comment s'arrêter et reprendre un temps? C'est vrai, le feu nous invite à ça. C'est une très bonne question. Moi, je crois que c'est quelque chose que je cherche à cultiver déjà à l'intérieur. Bon, ça c'est facile à dire comme ça. Mais c'est intéressant parce que ce que m'évoque ta question, c'est une toute petite anecdote. Les Indiens Cree du centre du Canada ne soufflent pas sur le feu. Alors d'ailleurs, c'est, quand on allume le feu comme ça, ça rajoute un challenge. Ah oui, c'est souffler pour l'attiser, pour attiser la braise. Il faut bouger. Et la raison pour laquelle ils ne soufflent pas sur le feu, c'est que pour eux, le feu symbolise à la fois un gardien pour nous, mais aussi une destruction. Et qu'en fait, tout réside dans l'équilibre de savoir avoir un feu, mais pas trop grand. Et que souffler dessus, quelque part, c'est vouloir l'attiser. Donc eux voient dans le souffle au feu l'invitation à ce que le feu brûle tout. Donc par respect pour le feu, ils ne souffrent pas dessus. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de sauvage dans le feu, d'indompté. On voit bien les peurs qu'on peut avoir. Voilà, toute la sécurité, par exemple, ici, qu'on aura mis en place, juste pour ce petit feu, nous montre à quel point c'est quelque chose de sauvage et d'indompté. Et moi, c'est l'indompté qui, en fait, est ma façon de me recentrer. Quand je suis en ville, j'ai quelque chose qui me calme tout de suite. C'est quand je vois une plante sauvage pousser dans un mur, par exemple. Je me dis,
Voilà, le sauvage a réussi à s'installer là où on ne veut pas, mais il y est. Il y a quelque chose de tranquille, une sorte de force calme que je retrouve aussi dans le feu. Et c'est un peu ma façon à moi de me recentrer, c'est de retrouver ces points indomptés avec lesquels on fait la paix en fait, qui sont en nous aussi, de ne pas vouloir tout maîtriser, savoir accepter les choses qui restent indomptables et puis leur donner une place juste. Voilà. Alors je m'appelle Yannick Roudot, ça va faire un peu moins de 10 ans je pense que j'interviens à Germe, 8 ans peut-être, je ne sais plus exactement. Et mon sujet de prédilection, ce qui me passionne dans la vie, ce qui m'anime, c'est la grande transformation de l'humanité. C'est comment allons-nous faire face à ces enjeux inédits qui se présentent à nous, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, population mondiale qui croît extrêmement vite, quel monde on va laisser à nos enfants. Et donc mon travail quotidien, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, ce qui se passera peut-être demain, on n'en sait strictement rien, c'est très difficile, pour essayer de lire le présent, une approche en spirale. Kim nous a montré à quel point on était fragile. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si vous avez échangé à 1200 personnes, 1500. Mais quand je le vois allumer son feu avec deux bouts de bois, comme ça se fait depuis plus de 800 000 ans dans l'histoire de l'humanité, et que je suis bien incapable de le faire, malgré mon iPhone ou mon smartphone dans la poche, mon Samsung, notre télévision de voiture, je me dis, waouh, il y a du boulot. On a perdu ça. On a perdu les savoirs ancestraux. Et pourtant, demain, peut-être qu'on aura besoin de retrouver ces savoirs et en tout cas ce rapport à la nature, cette harmonie homme-nature, et en finir avec l'anthropocentrisme, l'homme au centre de tout qui détruit tout. Donc, maintenant, la question est, qu'est-ce qui nous attend dans le futur ? Personne ne sait de quoi le futur sera fait. Et franchement, tant mieux, parce que si on écoute, les signaux faibles actuels, on pourrait être effectivement extrêmement inquiet sur le futur. On a choisi ensemble 4 défis. Il y a une multitude de défis à relever, mais il y en a 4 que tu as choisi de mettre en valeur. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le monde va mieux. Le monde va mieux parce qu'il y a, par exemple, la pauvreté a reculé. On a l'idée d'une pauvreté galopante dans le monde. En réalité, c'est faux. Depuis 1990, la pauvreté a reculé. C'est ce qu'on a montré sur cette première diapositive, où vous voyez 3 cercles qui représentent la population mondiale, et la taille des cercles est proportionnelle à la population mondiale en 1990, en 1999 et en 2015, en gros, depuis le début de la mondialisation. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la part de la population mondiale qui vivait dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, ça veut dire vivre avec moins de 2 dollars par jour, en par habitant, en parité de pouvoir d'achat et en dollars constants. C'est le seuil de survie, c'est le seuil à partir duquel on peut encore se nourrir, mais tout juste. 2015, un peu plus de 10% de la population mondiale, et plus que à peu près 800 millions de personnes. Un recul extraordinaire. Et ça, c'est un modèle de croissance, croissance économique, c'est l'émergence de pays comme la Chine, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que pour tous ces gens, ça veut dire acquérir, ça veut dire sortir du mode de survie et acquérir un logement, et puis c'est équiper son logement, etc. Sur cette diapositive, on voit la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle en même temps. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'émergence de ces pays, il y a un recul des inégalités dans le monde. C'est la courbe rouge que vous voyez. Vous voyez, à partir de 1990, la courbe casse, parce que les inégalités entre les pays, entre la Chine et l'Europe par exemple, entre l'Inde et la Chine, etc., reculent. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est l'augmentation des inégalités entre les individus, c'est-à-dire la concentration de la richesse. Donc on a une bonne nouvelle et une nouvelle plus préoccupante, puisque plus la richesse se concentre et plus évidemment les risques de frustration sont grands, et on connaît où peuvent mener les inégalités. Historiquement, ça nous a conduit à des crises, à des guerres, etc. Le futur, il est là, il se présente bien, mais il est très inégalement réparti. Et ça pose des problèmes politiques, sociaux, sociétaux, géopolitiques. Le risque, évidemment, on le voit bien aujourd'hui, par exemple dans les classes moyennes, aussi bien d'ailleurs aux Philippines, en Turquie ou en Europe, ressentent qu'il y a un recul de leur pouvoir d'achat, par exemple, et que l'argent est moins, et qu'on a le sentiment que les autres s'enrichissent plus vite que soi-même, ça crée des frustrations politiques et ça mène au repli identitaire, au nationalisme et aux votes extrêmes. Ouais. Et c'est d'autant plus problématique que, tu l'as sous-entendu, mais on a cette révolution technologique où l'information circule, et ces frustrations, elles sont décuplées par le fait qu'on est au courant de ce que les autres possèdent et ce que moi je ne possède pas. Et que les peurs sont très facilement manipulables par des réseaux sociaux, et à trop montrer la richesse de certains,
on exacerbe le sentiment de frustration des autres. Et ça, si on n'accompagne pas cette croissance d'une pédagogie et d'une réflexion et d'une prise de recul sur ce qu'elle veut dire pour le futur, c'est effectivement très très dangereux, puisque, une fois de plus, c'est ça qui conduit directement au « l'autre a plus que moi », donc je me mets en position défensive, en repli, et on le voit bien aujourd'hui, le Brexit c'est aussi ça, ce qui se passe en Turquie c'est aussi ça, etc. Et ce qui s'est passé bien sûr aux États-Unis c'est aussi ça. Tout à fait. Alors passons à un deuxième enjeu, qui est un enjeu qui va vous parler, parce qu'on en est tous conscients. La population mondiale était de 1 milliard d'habitants à peu près au début du XXe siècle. Michel Serres dit toujours, on était 1 milliard 2, 1 milliard 3 quand je suis né, on est passé à 7 milliards aujourd'hui, donc une croissance extrêmement forte. Alors face à cette population qui pourrait atteindre 10 milliards d'habitants en 2050, si je ne me trompe pas Virginie, comment on fait ? 10 milliards en 2050, c'est une hypothèse, puisque en faisant simplement varier le taux de fécondité de un demi-enfant par femme, ce qui est très peu, c'est la différence entre la France et la Suisse, par exemple, on arrive à un résultat, à un gradient de 2 milliards d'habitants de différence en 2050. Donc le nombre, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit un article sur le futur, ça commence toujours par « en 2050, la population mondiale va s'élever à 10 milliards d'habitants » ou « la planète devra nourrir 2 milliards d'habitants supplémentaires » ou « la Terre devra supporter » comme si finalement nos problèmes, les problèmes qu'on allait avoir, ils sont liés à ces 2 milliards d'habitants qui vont arriver. On a pris la pyramide des âges de 2050, on lui a superposé la pyramide des âges de 2015, c'est-à-dire qu'on a enlevé la population équivalente, et on a regardé la différence. Et ça donne ça. Vous voyez, ça c'est donc la pyramide des âges, la répartition de la population supplémentaire entre 2050 et aujourd'hui. Et on les a classés donc par classe d'âge, c'est une pyramide des âges, les plus jeunes en bas, les plus âgés en haut, par classe d'âge de 10 ans, donc les moins de 10 ans, c'est la première ligne horizontale, en rouge, les filles, en bleu, les garçons, et jusqu'au centenaire, tout en haut du graphique. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que ces surnuméraires, là, c'est en trop. En réalité, ils sont déjà nés puisqu'ils ont 50, 60, 70 ans. Et ce qui est extrêmement frappant aujourd'hui, au-delà de la croissance démographique, c'est le vieillissement démographique mondial. Le vieillissement démographique est lié à deux choses. D'abord, il est lié au fait que les générations nombreuses d'après-guerre, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1945 en gros et 1970, ont fait des enfants, mais moins que les générations précédentes. Ce qui fait qu'il n'y a pas renouvellement des générations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vieillissement par le bas. Les générations les plus jeunes sont moins nombreuses que leurs prédécesseurs. Et puis vieillissement par le haut, parce qu'évidemment, on vieillit de plus... l'espérance de vie augmente, on vit de plus en plus âgé, et on a gagné, entre 1950 et 2050, le gain de l'espérance de vie, c'est 30 ans. 30 ans d'espérance de vie gagnée en un siècle. Donc évidemment, une génération beaucoup plus nombreuse qui vit beaucoup plus longtemps, eh bien vous avez la photographie du résultat ici. La moyenne d'âge de la population augmentant, la moyenne d'âge des votants va augmenter. Par exemple, il faut savoir qu'en 2050, en France, la moyenne d'âge des votants, ça sera 58 ans. Quand vous avez dans un projet de société, quand un élu va vous choisir, bon écoutez, dans mon budget, on ne peut pas tout faire, il va falloir choisir entre soit on rembourse la prothèse de la hanche pour tout le monde, soit on crée des bourses pour aller étudier à l'étranger. À votre avis, qu'est-ce qu'on choisit ? Voilà, donc vous voyez un petit peu la complexité, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que simplement à partir de cette fameuse phrase en 2050, la population devra supporter 2 milliards d'habitants supplémentaires, et ce qui sous-entendait que tous nos problèmes allaient arriver avec la démographie africaine, en réalité, on s'est rendu compte que le problème, il était déjà avec le vieillissement dans nos propres sociétés et tout ce qu'il fallait anticiper et comment il faut transformer nos sociétés pour s'adapter à ces mutations. Là où on a l'impression d'avoir un problème énorme et qu'on ne peut pas affronter, enfin si, on peut agir à plein d'endroits et on est tous acteurs de ce changement, parce qu'on est tous parents, parce qu'on a des parents qu'il faut accompagner, parce qu'on cotise, parce qu'on est dans une association, parce qu'on est solidaire, etc., parce qu'on est chef d'entreprise. C'est ça qui est intéressant quand on aborde la complicité, c'est qu'on retrouve plein de moyens d'agir. Plein de moyens d'action, plein de leviers de transformation. Exactement. Alors, troisième défi, comment on va vivre avec cette population ? Certains parlent de surpopulation. Est-ce que finalement, la solution, c'est pas de remettre en question nos comportements, nos modes de consommation ? Est-ce qu'on peut partager plus ?
Tu parlais de comportement, c'est évidemment la clé du problème. La question n'est pas le nom, parce que si tout le monde vit très sobrement, l'impact n'est pas du tout le même. Vous connaissez l'empreinte écologique, que si tout le monde vit comme un Européen ou un Américain. On n'a pas tous la même empreinte écologique, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes modes de vie. Les besoins énergétiques d'un Nord-Américain ne sont pas ceux d'un enfant qui vit dans un village isolé au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique. Si tout le monde se nourrit dès aujourd'hui, comme des Japonais, on peut déjà nourrir aujourd'hui 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire un régime à base de poissons, de riz De protéines animales, mais plutôt plus réduites, beaucoup plus faibles que chez nous, et beaucoup effectivement de riz et d'algues aussi, des protéines végétales. Si nous nous nourrissons tous aujourd'hui comme quelqu'un qui vit au Bangladesh ou qui vit au Népal, donc avec des régimes faiblement carnés, avec peu de protéines animales et beaucoup de protéines végétales, dès aujourd'hui, on peut nourrir 12 milliards d'habitants. 12 milliards, c'est la population estimée attendue pour 2100. Donc il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. En revanche, si tout le monde se nourrit comme des Européens, on peut nourrir aujourd'hui 3,5 milliards d'habitants. Donc vous voyez un petit peu l'impact que notre seul régime alimentaire peut avoir, évidemment, sur le rapport de l'humanité à sa planète. Et c'est ce qu'on a voulu montrer sur cette diapositive, où on compare les surfaces agricoles nécessaires pour nourrir quelqu'un, une personne de 70 kg pendant un an, s'il se nourrit uniquement de spiruline, c'est le tout petit carré en rouge en bas, alors j'ai essayé, c'est pas top non plus, mais ça peut aider, ça peut compléter, c'est-à-dire qu'on peut compléter un régime alimentaire avec de la spiruline. En revanche, si tout le monde mange évidemment de la viande de bœuf, c'est le grand carré beige, vous voyez, il n'y a plus de place pour tout le monde, c'est pour ça que ce monsieur sort du cadre, parce qu'évidemment, on ne pourra pas nourrir toute la planète, avec toute l'humanité, je veux dire, avec la viande de bœuf, parce que ça veut dire avoir des terres agricoles pour nourrir les animaux dont on ne disposera pas. Donc derrière, c'est la déforestation de l'Amazonie. Absolument. C'est la déforestation de toutes les forêts dont on a besoin pour avoir de l'oxygène pour respirer. Et c'est ce qui est en train de se passer pour fabriquer du soja, pour nourrir les animaux qu'on va manger. Est-ce que le premier acte de transformation individuelle, avec un impact collectif qu'on peut tous avoir pour lutter contre les dérèglements climatiques, contre les maladies, etc., c'est d'arrêter la viande rouge ou d'en manger moins ? En manger moins, moi, arrêter, je pense qu'il faut... Mais c'est un impact extrêmement important. Mais c'est une étape très importante. Je dois préciser, parce qu'après tout, rien ne vaut l'expérience. J'adore la viande rouge, j'adore le poulet grillé, surtout à la taille. J'adore les côtes d'agneau grillées sur le feu. Je n'en mange plus, puisque précisément, à force de travailler sur ces questions-là, il y a un moment où c'était plus cohérent. Donc j'ai décidé d'arrêter la viande, mais je ne l'ai pas arrêtée pour mes enfants. Simplement, je leur apprends à manger raisonnablement de la viande, et quel impact ça a, et quelle viande on choisit, etc. Donc simplement, se poser la question de nos régimes alimentaires, c'est déjà entrer en mouvement dans la transformation qui est absolument indispensable, évidemment. Au-delà de ça, maintenant, si on extrapole à l'ensemble des ressources naturelles sur la planète qui sont en quantité limitée, le quatrième défi, c'est est-ce qu'on est capable de pérenniser cette population dans un confort correct pour tout le monde, sachant que les ressources sont en voie d'épuisement. L'évolution de la population, c'est la courbe blanche. Entre 1970 et 2050. Évolution de la consommation, c'est la courbe rouge. Évolution de la production, c'est la courbe bleue. Le petit accident que vous voyez, là, c'est 2008, crise économique, baisse de la consommation, baisse de la production, baisse de l'emploi. D'accord ? Donc on voit bien la déconnexion, on voit bien que le rapport entre la population et la consommation et la production est très ténu. Le coefficient multiplicateur, c'est évidemment les revenus. Et ce qu'on retrouve là aussi, c'est la courbe des émissions de CO2. Et vous voyez, on retrouve le petit accident, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique et d'une manière générale le recul de la biodiversité, etc., c'est bien un problème écosystémique et un problème économique, bien davantage qu'un problème démographique. Et surtout, ça montre bien que de toute façon, on est obligé de changer. On n'a pas le choix puisqu'on voit bien que ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable parce qu'on est dans un monde fini. Maintenant, il y a d'autres modèles. Économie du partage, économie de fonctionnalité, le recyclage, économie circulaire, très important, il y a un atelier d'ailleurs dessus aujourd'hui, c'est essentiel puisque l'économie circulaire ou l'économie du partage, c'est l'idée qu'on peut croître, qu'on peut rendre les mêmes services, mais sans chaque fois aller chercher une nouvelle ressource, mais en exploitant la même ressource. Une question, tu dis on peut croître, est-ce qu'il faut croître ? Alors, tout dépend, on met derrière le mot croître. En tout cas, on peut jouir de services rendus, on va dire. Ouais, ouais. Ce qui est important, finalement, c'est le service rendu. Et c'est le plaisir ou c'est l'utilité du service qu'on va... On peut pérenniser un mode de vie on va pas frugal. Et donc, à partir de là, il faut repenser et nos modèles de consommation, et nos modes de vie, et notre modèle économique, parce que sinon, ça deviendra complètement schizophrénique. Voilà.
Et nos modèles managériaux, ça sera le travail que vous allez faire en atelier dans ces deux jours. Comment, en tant que manager, je peux changer de paradigme, changer de prisme, de logiciel d'analyse pour transformer les choses. Et un défi dont on a parlé, c'est les mouvements de population, qui, comme l'a très bien expliqué Virginie, sont les conséquences d'un modèle économique qui entraîne des effets climatiques, qui entraîne une course aux matières premières, donc des conflits militaires, qui entraîne des sécheresses, des inondations, des problèmes de récolte agricole, lesquels génèrent des mouvements de population. La boucle est bouclée. Face à ces mouvements de population, que fait-on ? On va voir dans quelques instants qu'il y a des hommes et des femmes dans le monde qui ne restent pas les bras croisés, qui ne prennent pas ça comme une fatalité, mais comme une richesse et comme l'opportunité d'innover. Une vraie transformation, une problématique, une prise de décision, une solution, et ils entreprennent. La situation la plus inattendue et la plus difficile, c'est l'asile aujourd'hui. C'est une situation où du jour au lendemain, tout peut changer. On doit faire face au deuil, on doit partir, aller très loin de tout ce qu'on connaît, partir de son foyer, sa famille, redécouvrir une nouvelle ville, une nouvelle société, et tout réapprendre. Si on est capable d'apporter des solutions à ce moment-là, ce sont des solutions qu'on peut généraliser à l'ensemble de la société. Et du coup, ça a été un... En fait, c'est un kiff quotidien, ce métier. On a simplement organisé un réseau de gens qui se rencontrent autour des choses qui les passionnent, tous les trucs qui font qu'ils se réveillent le matin, et autour aussi de projets. Systématiquement, quand on rencontre quelqu'un qui vient d'Afghanistan, qui vient d'Iran, on lui demande de quoi tu as besoin. Et il y a 7 ans, moi, j'ai changé la question, j'ai dit « qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et ce tout petit switch, il a fait que des milliers de gens sont devenus des acteurs, et surtout qu'on a pu non pas dire que la migration, c'est la question des migrants, mais soudainement, la migration, c'est devenu une question sociétale, c'est devenu une réalité commune, et on pouvait développer de l'intelligence collective pour répondre ensemble à tous les problèmes. Quel a été le déclic que tu as eu à 23 ans pour créer Singa ? Parce que je l'ai dit rapidement, 7 pays, 17 villes, tu vas rappeler combien de personnes participent à la sphère Singa aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? La boss d'Amnesty International de mon équipe à l'époque dit « Moi, ce week-end, je vais aller à Villawood, c'était dans la banlieue de Sydney en Australie, pour visiter un centre de détention. » Et du coup, j'y vais, on arrive dans un lieu que je n'avais pas imaginé, en fait, qui est une prison, et on rentre dans une petite cour. Et dans cette petite cour, il y a des centaines de gens qui sont en train de jouer aux cartes, en train de jouer au cricket, et ce qui me frappe, c'est leur jeunesse, en fait. Ils ont le même âge que moi. Je me pose à une table, je me fais éclater au poker, parce que les gens jouent toute la journée, donc ils atteignent un bon niveau de Uno et de poker. Et là, en fait, j'ai une conversation épique sur le rasage de la barbe avec deux gars, et je vois mes deux petits frères. Et là, je vois mes deux petits frères, et soudainement, ça me prend aux tripes, et je me dis, mais pourquoi mes deux petits frères seraient enfermés ici, non pas parce qu'ils sont des criminels, mais parce qu'ils sont nés dans un autre pays, qui a eu un conflit, et qui sont arrivés là, ils ont demandé à être protégés. Et là, je commence à tilter, c'est insoutenable en fait. Et puis quand on leur parle, ils ont plein de projets, ils ont envie de faire des choses, ils ont, les deux gars que j'ai en face de moi, ils ont 19 et 21 ans, je me dis, c'est les plus belles années de vie, et qu'est-ce qu'ils foutent là en fait, enfermés derrière 3 étages de barbelés. Et donc on rentre et tout, et là en fait tout ce que je faisais au quotidien, qui était un peu une mécanique, c'est-à-dire que j'avais appris, j'utilisais mon droit international, je faisais mes rapports sur les droits humains, là je commence à avoir l'aberration, je me dis mais punaise, mais pourquoi je fais ça, ça sert à rien. Et donc je suis retourné en France avec ça, j'ai un copain qui lui revenait du Maroc, et on a eu une longue discussion autour de crêpes, et on s'est dit à nous de jouer quoi. On va créer les espaces dans lesquels on va d'abord se rencontrer et créer des projets ensemble. Alors concrètement, le premier pas, on peut l'applaudir. Ouais. Bon, le premier pas, vous discutez, vous dites on va créer des espaces. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi le début de l'histoire de l'entreprise Singa ? Le début, c'est qu'on est allé voir notre ancienne université et qu'on a mobilisé au départ 10 étudiants
Et on est allé voir un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et on a trouvé 10 personnes qui avaient envie d'avoir des discussions autour de français. Il faut vraiment créer un truc sur un pied d'égalité. Et donc du coup, on a fait sortir au départ ces gens de notre université et on les a juste réunis autour de ce qu'ils aiment. Donc 2 binômes vont au cinéma, 2 binômes vont faire du vélo, 2 binômes vont courir ensemble, et puis des groupes, des gens qui vont faire un atelier yoga, etc. Tous les trucs qui nous passionnent, et les messages aussi qu'on transmettait, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, beaucoup de Français, et que c'est maintenant la majorité de nos bénéficiaires, c'est que on n'a pas dit aux gens « venez chez nous pour faire quelque chose, faire des pétitions, je ne sais pas quoi », on leur a dit « faites ce que vous aimez, mais vous allez le faire avec des personnes nouvelles. Il y a un gigantesque besoin, il faut qu'on crée des outils technologiques pour faciliter ça et l'industrialiser. Donc c'est ce qu'on a fait. On a monté un premier outil digital qui s'appelle Calm, pour comme à la maison, qui est une plateforme de cohabitation. Donc des gens qui vivent ensemble de 3 à 12 mois. On voulait faire un petit test, 50 personnes sur l'année, et puis après, retour sur expérience. Voilà. C'est le truc que vous planifiez bien. Le process. Voilà, le process, 3 mois, rétex, machin. On se prend 12 000 inscriptions dans la tronche en 2 mois de gens qui veulent accueillir. On a des châteaux, des bateaux, voilà. Et là, on se dit, oh là, on bloque. Comment on va faire tout, parce qu'à l'époque, on a un salarié. mais en fait, on voit que l'outil technologique est utile parce qu'en fait, ça simplifie la manière dont les gens peuvent se rencontrer. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé des programmes pédagogiques pour permettre à tous les citoyens qui avaient envie de faire quelque chose, par citoyens j'entends aussi bien des gens qui sont des nouveaux arrivants que des gens qui sont là, et que ce soit pour des projets citoyens mais aussi des projets entrepreneuriaux. Donc là on a commencé à consolider ce qu'on appelle un programme d'accélération, où on a de la formation à comment créer une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique, blablabla, plus des mentors qui sont pertinents pour les domaines d'activité qui étaient concernés, et relations avec les investisseurs ou les banques à la sortie pour avoir du pognon, parce que c'est quand même ça dont on a besoin pour créer l'entreprise. Et donc du coup on fait ça, ce réseau entre des gens qui se rencontrent autour de ce qu'ils aiment, les outils digitaux qui démultiplient les relations, les expériences communes, notamment Calm, et puis l'incubateur. Alors l'incubateur, puisque tu termines là-dessus, ça me permet de rebondir. Tu me disais, quand on a échangé hier, qu'au cours des 2 dernières années, l'incubateur Singa a permis la création de 130 entreprises. Oui, et toi tu le dis 130, moi je le dis juste 130. Mais en fait, oui, c'est déjà énorme, 130, plus de 300 emplois derrière. C'est des taux en fait, de réussite par rapport à des incubateurs classiques qui sont plus élevés. Au bout d'un an, on a 45% des gens qui arrivent à se rémunérer dans leur boîte. Au bout de 2 ans, il y en a 30% qui sont déjà self-sufficient et qui peuvent tourner toutes seules, etc. D'habitude dans des incubateurs il y en a 1 sur 10 qui arrive à le faire, quoi. Et donc là on se rend bien compte aussi qu'on touche à un truc assez central. On a généré de l'innovation liée à la migration, mais aussi avec des Français, et puis c'est devenu, enfin du coup comme tu l'as dit, un réseau global, donc avec des Allemands, des Suisses, et il y a énormément de gens dans notre société qui aujourd'hui voient des trucs qu'ils n'auraient pas imaginé parce qu'ils ont fait une rencontre. Et ça, c'est puissant. Il y a on ne sait pas où démarrer ce type de projet aujourd'hui, et donc vous pouvez venir chez Singa maintenant pour les créer. Et on a énormément de Français qui ont aussi créé leur propre entreprise, créé leur propre emploi. Tu ne te présentes pas comme dirigeant de Singa, tu te présentes comme responsable des communs, tu es là pour développer l'international. C'est quoi ta façon de manager ? En fait, c'est une très bonne question, parce que moi j'ai beaucoup de mal à me présenter, parce que souvent on demande que ce soit le directeur général qui soit là et qui parle. Nous, on a essayé de construire quelque chose d'assez horizontal, où chacun avait sa pierre à apporter. On a utilisé des outils qui nous ont aussi... qui nous ont obligés à faire ça, donc des outils technologiques comme, je pense à Slack. C'est un logiciel interne qui vous permet de rentrer en contact avec vos autres collaborateurs, de travailler sur des sujets précis. C'est passionnant parce que tout le monde se sent, tout le monde a le sentiment que Singa, c'est son projet. Et donc je pense que les gens sont hyper investis grâce à ça. Ce qu'on a voulu créer, c'est quand même aussi toute une
culture du partage. Donc, c'est-à-dire que si une innovation naît à Berlin dans le réseau, on puisse la balancer à Paris, à Montréal, à partout. Et donc ça, ça a dû s'organiser. C'est pour ça qu'on a créé un département commun qui réunit les gens, comme nous aujourd'hui ici, pour se parler, échanger, qui fait en sorte que dès qu'une innovation est générée, elle soit modélisée sur le même template et envoyé en fait à l'ensemble du réseau pour qu'on puisse la récupérer. Mon seul objectif, puisque on parle quand même à la fin de la journée d'impact social, on parle d'une problématique qui est en train de grandir de manière gigantesque. J'ai pas le droit de juste faire péter Singa pour une question d'ego, parce que j'ai envie que tu me présentes comme DG quand j'arrive. On va passer à une autre réponse face à un autre défi. Là, Guillaume nous donne des pistes pour faire face aux défis migratoires, déplacements terrestres, création de dignité et d'emploi dans nos sociétés. Et en toile de fond, depuis ce matin, on a aussi parlé du défi environnemental avec l'effondrement de la biodiversité. Et comme vous le savez tous, la pollution est devenue le cancer de la société moderne. Il y a du plastique partout. Je parlais hier avec Henri Duchemin qui disait qu'on trouve du plastique dans le miel en ce moment. Des micro-particules de plastique. Les océans sont pollués, sont en train de crever. Et si les océans meurent, on disparaîtra. Donc, une fois qu'on a fait preuve de lucidité, qu'on prend la mesure des enjeux, vient l'innovation, comme l'a fait Guillaume, de son indignation est née Singa. Donc de l'indignation environnementale peut naître des ruptures, des innovations, des transformations phénoménales. Alors je vais vous expliquer un peu mon parcours et le rêve que j'ai de nettoyer ou au moins de comprendre les océans. Et coûte que coûte, malgré les difficultés de l'entrepreneuriat, comment je continue à poursuivre ce rêve et que je continuerai à le faire. En 2008, je suis en train de faire mon master au Royal College à Londres et j'ai poursuivi mon rêve d'enfance. Donc j'ai la chance d'être né dans le sud de la France, les sudistes, et puis d'avoir grandi dans l'ouest de la France, à Saint-Malo. Yeah! Et puis après, je suis allé à Évry, et puis après, grandi à Paris. Mais j'ai développé cet amour vraiment pour l'océan. L'océan recouvre plus de 70% de la planète et contrôle le climat. La plupart de l'activité solaire est captée, enfin, de la chaleur du soleil est captée dans les océans. Et donc, l'oxygène aussi que vous respirez, à peu près 50 à 75% a été généré non pas par les arbres, mais par les algues. Donc, ce que vous respirez, c'est vraiment, ça vient de l'océan. Aussi, toute la vie dans l'univers, dans la manière dont on le connaît aujourd'hui, la vie vient de l'océan. Donc toute la vie, comme tu disais, le passé, ça vient de l'océan, mais le futur aussi en dépend totalement. Si on tue les océans, ce sera fini. Mais par contre, on a réussi vraiment à tuer les océans. Aujourd'hui, on a réussi à massacrer à peu près 90%, même plus de 90% des grands poissons. Nous avons réussi à mettre du plastique dans 80% de la surface des océans. Et nous avons aussi réussi à polluer, par exemple aujourd'hui, on continue c'est un sujet que je veux présenter, à déverser des tonnes de chimie radioactive dans le Pacifique depuis Fukushima. Et donc aujourd'hui, dans tout le Pacifique, on peut retrouver des traces de Fukushima. Donc, voilà, donc mon rêve en 2008, mon projet de diplôme, c'est de créer la Station internationale océanique. L'idée, c'est un laboratoire flottant ou un réseau de laboratoires flottants qui permettent de comprendre l'évolution du climat, mais aussi de faire un rapport, une communication entre l'espace et les activités sous-marines. C'est le maillon manquant, si vous voulez, dans les sortes de communication en temps réel dans les sciences de l'espace et de la Terre. On a fait des prototypes de petite taille et puis des prototypes de plus grande taille. On a réussi à avoir des budgets européens pour construire les vrais bateaux. Et juste quelques mois avant la première mise à l'eau de notre laboratoire flottant, première pièce, moi et ma compagne alors, qu'on était fiancés, notre relation a explosé et en même temps la société qu'on avait créée, on était à peu près 40 personnes aussi, est complètement cassée. On a raté le projet, on a dû recycler les matériaux du bateau avant de mettre à l'eau. Donc, c'est un moment très très difficile. Et dans ce moment difficile, j'ai décidé de me mettre au service de projets d'amis à moi qui faisaient quelque chose qui me paraissait très très excitant, qui travaillait au Kenya.
Donc j'ai des amis qui sont au Kenya, à Nairobi, et qui construisent un incubateur de nouvelles technologies pour les entreprises. Je commence à gérer les équipes de construction, ceux qui mettent le parquet, les électriciens, les soudeurs, créer le réseau, etc. Et en quelques mois, on a créé un centre où on a accueilli des dizaines d'entreprises, organisé des centaines d'événements, et on a aidé des milliers de personnes à trouver des emplois dans les secteurs des nouvelles technologies au Kenya. D'un coup, on reçoit une alerte des États-Unis, on voit qu'il y a une marée noire qui vient de d'éclater dans le golfe du Mexique. Et le logiciel qu'on développe aide les personnes à faire des photos de ces crises et de les monter comme par SMS ou par ordinateur et créer une carte géographique en presque temps réel de ce qui se passe. Et d'un coup, notre centre d'appel et notre équipe de développeurs est complètement remplie. On travaille jour et nuit pour récupérer des rapports, milliers de rapports qui viennent du golfe du Mexique. Donc on a créé des cartes, quand vous cliquez sur les points, vous pouvez avoir accès au rapport. Et donc vous pouvez voir, voilà, je suis malade, j'ai du pétrole sur ma plage, les poissons sont morts, etc. Donc on a toutes ces informations. Et rapidement, je présente ces informations et je me rends compte qu'il y a peu d'impact. On a l'information, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de nettoyer. Il y a des centaines de bateaux qui ont été déployés pour nettoyer le pétrole et ils récupèrent au maximum 3% du pétrole de surface. Donc c'est très très insuffisant. Pendant ce temps-là, les poissons ils sont tous en train de crever et le tourisme est complètement arrêté. Et le pétrole, l'industrie pétrolière aussi est mise sur pause. Donc toute l'industrie locale est mise sur pause. Je décide de rentrer en contact avec des gens qui travaillent sur le terrain et je me retrouve à avoir de plus en plus d'informations et je me retrouve à joindre une équipe au MIT qui développe un projet de robotique pour nettoyer la marée noire. Et donc c'est un autre rêve de gamin qui se réalise. Je me retrouve à être dans une équipe au MIT à développer des robots pour nettoyer la marée noire. Et donc c'est un endroit qui est magique, vous pouvez imaginer. Donc on a accès à un super laboratoire, on a accès à, par exemple à aussi à un super club de voile. Donc il y a tout ce qu'il faut. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on s'éclate à faire de super technologies, finalement, les gens dans le golfe du Mexique, je continue à lire les rapports, je lis des choses comme quoi les gens perdent leur boulot, et les familles se brisent, des gens qui se suicident. Donc c'est pas cool, quoi. Et donc je décide de faire un voyage tout seul dans le golfe du Mexique et d'aller voir ce qui se passe vraiment sur place. Et quand je vois ce qui se passe, je décide de quitter le job de mes rêves. Et donc j'ai décidé de déménager de Boston et d'aller à New Orleans où j'habitais pendant 2 ans pour nettoyer dans le golfe du Mexique. Donc ce que je faisais, c'est qu'au début j'aidais les gens à cartographier ce qui se passe. Donc je faisais voler des ballons et des drones et je fais des photos, voilà, je combine ça avec des images satellites et on essaie de faire des prédictions pour voir où on doit envoyer les équipes de nettoyage. Et pendant ce temps-là, je continue à développer quelque chose qui est un peu inspiré de ce que je faisais en labo au MIT. Et l'idée, c'était d'utiliser les forces naturelles, donc le vent, le courant et les vagues, pour utiliser ces forces naturelles qui contrôlent le pétrole, pour en fait aller récupérer le pétrole. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui utilise le vent, le courant et les vagues ? Peut-être c'est un bateau à voile. Donc je développe cette idée, on fait des prototypes de plus en plus gros. Donc ça, c'est les premiers de 1 mètre, on allait jusqu'à 3 mètres, tirer jusqu'à 25 mètres de charge. Et petit à petit, on développe aussi un nouveau modèle d'architecture navale. Est-ce qu'on peut développer un bateau qui soit articulé ? Donc pas seulement qui soit fixé, qui soit flexible, mais qui ait plusieurs connexions. Donc ça marche, ok. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Est-ce qu'on pourra faire un bateau qui soit modulaire, qui soit comme un train ? Donc pour tester ce principe, on fabrique un bateau qui fait, enfin un char à voile de 3,50 m de long. Et ce qu'on découvre dans ce même moment, c'est qu'on peut contrôler juste un seul des axes et on peut contrôler un véhicule qui est large. Est-ce que ça peut fonctionner à l'échelle ? On a fabriqué un autre véhicule de 6,50 m de long et on a besoin juste de l'énergie qu'on peut avoir d'un téléphone portable juste pour contrôler l'angle des roues avant. C'est la seule chose qu'on a besoin de contrôler. Donc on peut contrôler beaucoup de charges, tirer avec beaucoup de force, avec très très peu de force de contrôle. Tout ce qu'on fait est open source, c'est-à-dire que toutes les technologies que je vous ai montrées, à partir du moment où j'ai vérifié que ce n'était pas une technologie qui était brevetée, je l'ai déposée sur un site en open source. Donc tout ce que vous voyez, c'est en ligne, c'est libre d'accès, vous pouvez faire votre propre version, vous pouvez créer votre propre entreprise et être nos compétiteurs, ou je sais pas, enfin, comme ce que vous voulez. Et toutes les versions de nos bateaux, la plupart sont pourries, ils sont sur notre site internet, et vous pouvez voir tous les essais, et vous pouvez voir les fichiers de fabrication, on donne tout en fait, ce qu'on fait. Alors, en 2011, j'ai eu un investisseur qui nous a approché, qui nous a dit « j'adore votre idée », et qui m'a donné un chèque de 10 000 $.
et qui nous a dit, je vous donnerai 10 000 dollars par mois et je voudrais avoir 10% de la société. Mais je voudrais que vous achetiez les équipements, que vous commencez à louer des locaux et embaucher des gens. Donc j'ai fait ça pendant les deux premiers mois et il m'a demandé d'attendre d'encaisser le chèque. J'attendais un mois, j'attendais deux mois, j'ai avancé tout l'argent personnel. Et après trois mois, j'ai vraiment plus d'argent. Et donc j'ai dit, je dois encaisser le chèque. Il m'a dit, en fait, non, je ne vais pas investir dans le projet, désolé. Voilà. Et donc on a mis la clé sous la porte. Et j'ai dû laisser mon appartement aussi dans l'accident. Et donc je me suis retrouvé à la rue. Mais j'ai trouvé un copain qui m'a dit, ah, j'habite au dernier étage. Et j'ai trouvé une trappe qui va sur le toit. Et je me suis fait une super yourte sur le toit. Et voilà. Et puis après quelques mois, voilà, je me suis fait une superbe yourte. Et puis voilà, c'était les copains maintenant qui voulaient venir dans ma yourte. Et depuis cette tente, j'ai continué à faire le projet, principalement à partir d'ordures que je trouvais des ordures ménagères dans les poubelles de Londres, et à continuer à faire des concours. Et après trois mois dans la tente à faire des concours, on a gagné un concours de 100 000 dollars. Et le plus vite possible, je me suis barré de Londres, qui faisait pas encore froid, et je suis allé à San Francisco. J'ai continué à faire des concours, j'ai gagné un autre concours depuis un coworking space, et j'ai fait de nouveaux amis, et j'ai gagné un concours pour faire le tour du monde en bateau. Et sur ce bateau, j'ai pu développer mon business. Donc c'est un peu comme Singa, je me sentais un peu comme un réfugié, parce que on allait de pays en pays, et donc j'ai fait le tour du monde en bateau, à fabriquer des bateaux et à tester mon bateau dans chacun des grands ports. Et donc, en faisant le tour du monde, je suis atterri à Hong Kong et j'ai découvert le marché mondial de l'électronique. Donc, c'est un endroit que je rêvais d'aller depuis des années, où j'achetais mes pièces. Et j'ai découvert que je pouvais fabriquer mes robots à 7 fois moins cher et 4 fois plus rapidement que quand j'étais à San Francisco. Donc, j'ai déménagé... Donc j'ai déménagé tout de suite à Hong Kong et je me suis trouvé à me dire, voilà, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs comme moi. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'avoir un réseau. Est-ce que je peux créer un espace pour les autres entrepreneurs? Donc j'ai trouvé l'usine la plus pourrie que je pouvais trouver, et qui était un bâtiment qui tombait en vrac. Et j'ai demandé à tout le monde, j'ai appelé 100 personnes, 40 personnes se sont pointées. Est-ce qu'on peut retaper cet endroit, le partager pour créer des trucs, quoi? Et donc on a 10 personnes qui ont signé, il y a une seule personne qui a payé. Et on s'est lancé dans les travaux et comme une communauté, donc beaucoup de volontaires ont aidé. C'est là aussi que j'ai rencontré ma femme, qui est volontaire. Et donc on a transformé cet espace en espace de créativité où n'importe qui peut rentrer et construire ce qu'ils veulent. Et on encourage les gens, on donne des memberships gratuits aux gens qui font des projets environnementaux ou des projets à but sociaux. Et donc en trois ans, on a fait une centaine de projets à peu près, des projets de recyclage, d'énergie renouvelable, de création de nourriture. Voilà, je ne vais pas trop vous expliquer, mais je vais vous parler de trois projets très rapidement sur lesquels on travaille, qui vont continuer vers mon rêve de station internationale océanique. Le premier, c'est qu'on a fait un projet avec les enfants sur la radioactivité. On a commencé à étudier comment on peut mesurer la radioactivité en mer. D'abord, on a commencé tout simplement à mesurer la radioactivité sur Terre. Donc mes étudiants apprennent à faire ça. On a appris mes étudiants qui ont entre 10 et 13 ans. Et on a fait une cartographie de la radioactivité à Hong Kong, avec des petits compteurs GGR. Ensuite, je suis allé au Japon, et c'est mes étudiants qui m'ont dit où aller mesurer la radioactivité. Et donc, on devait faire des modèles de prévision sur là où la radioactivité se déplace. Et donc, on a fait des maquettes physiques, des modèles analogues, pour mesurer la radioactivité dans l'environnement. Donc on a fait ce que beaucoup de scientifiques font sur ordinateur, avec un modèle en plâtre et pchit-pchit pour mesurer la pluie, et on a fait des modèles de prédiction sur là où se trouve la radioactivité en mer. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que la radioactivité se déplace en haut des montagnes, va dans les rivières, dans les estuaires, et ensuite on voit des variabilités de radioactivité en mer dépendant des précipitations quelques jours en avant. Donc on est allé près de la centrale nucléaire et on a développé de nouveaux types de capteurs pour mesurer la radioactivité des sédiments avec des enfants entre 10 et 13 ans. Donc on travaille avec les pêcheurs locaux et on a donc développé ces nouvelles techniques, un nouveau type de chalut pour récupérer les sédiments de surface. On a aussi développé un nouveau type de système pour mesurer la pollution plastique en mer. Donc c'est un système où on peut mesurer la pollution plastique en temps réel avec une caméra et un système de spectromètre où on peut mesurer le plastique. On a développé aussi un nouveau type de moyen de mesurer les courants. Donc c'est un capteur de courant.
Et la dernière chose que je veux montrer, c'est qu'on a développé un nouveau type de moyen pour mesurer les coraux. Donc les coraux, c'est le plus important écosystème des océans. Et on a développé un système qui est 10 fois plus précis, 10 fois géographiquement, 50 fois plus rapide et 200 fois moins cher. Donc on a développé une technologie avec des enfants, encore une fois, qui va être 100 fois 1000 fois plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui pour développer l'étude des coraux. César est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Donc du coup, il était très vite sur la fin. Merci pour lui. Merci beaucoup. GERM œuvre pour un monde professionnel et managérial dans lequel l'humain est au cœur. Le manager s'ouvre aux évolutions du monde, se nourrit des rencontres et de la diversité pour devenir leader d'intelligence collective et acteur de transformation. Pour développer des entreprises enthousiasmantes, innovantes, engagées pour leur environnement et leur territoire. J'espère que ça résonne en vous. Alors, pour clôturer cette plénière qui, j'espère, vous a plu, hein, on s'est beaucoup investi les uns les autres pour que ça se passe bien, on vous propose de vous faire un cadeau. C'est la projection de Blue Turn. Alors, Blue Turn, c'est quoi? C'est un homme qui s'appelle Jean-Pierre Gou qui a une idée folle. Il rêvait de recréer partout dans le monde ce que les astronautes vivent quand ils vont dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Ils tombent tous amoureux inconditionnellement de la Terre, de l'humanité, parce qu'ils sont frappés par ce qu'on appelle l'overview effect, l'effet de plongeon. On voit la Terre dans sa plénitude et on devient amoureux de la Terre. C'est une grande émotion. Et aujourd'hui, donc, on vous propose, pour clôturer cette plénière, de vivre cet overview effect, parce qu'on pense que ça peut être un grand catalyseur de transformation individuelle et collective, le but étant que Blue Turn soit projeté dans le monde entier dans les prochaines années.